Rebonjour! Alors, je crois qu'il y a eu une petite coupure. Alors, oui, effectivement, je ne comprends pas par contre. Un truc. Je vais repartir sur un troisième créateur de perso. Elle sera en deux parties, c'est pas grave. Par exemple, si je prends ça. Oui, c'est ça, c'est défini par le corps, ok. Ah, c'est ça, il faut que je prenne un corps très blanc.
C'est compliqué quand même. Bah c'est pas assez blanc. C'est ça. Ça ne me va pas. Voyons voir. Voilà, c'est déjà un peu mieux.
Et cette fois, si je veux faire un de mes persos favoris. Excuse-moi, ça a été long. Ah bonjour. Ouais, salut. T'as relancé un enregistrement? Je sais pas, il y a eu un bug, ça a coupé. Ah fuck. T'as peut-être plus de place sur le disque dur? Ah bah non, 761 Go, c'est une blague. Où est-ce que tu vois Non, c'était. 761 Go? En fait, t'as le cercle rouge qui tourne quand tu regardes Action, et en dessous, t'as le nombre de gigas qui te reste sur l'emplacement où tu as alloué ton Ouais, dossier. j'étais en train de faire un troisième test et puis après on va aller voir ton corps. Donc, c'est dit bizarrement là. Oh, le chat commence pas. Ah oui, donc en fait tu peux faire par exemple un personnage. Ah, moi j'ai fait une géante, Tu peux hein. faire J'ai par exemple fait un personnage avec le. Non, bah ça c'est le corps le plus petit, ça. le 215. Celui-là, celui que j'ai pris, c'est le corps le plus petit, mais sur 215. Ah ouais, et si tu prends le corps le plus grand, ça donne quoi? Ah oui, parce que de Ben... base c'était à 103, donc. Donc ça qui est intéressant, c'est que, ben, c'est que ça fait un corps que ça fait des corps très différents, ça c'est marrant. De toute façon, Ah là. oui, donc t'as pris le plus petit, ouais, et donc du coup. Là, tu peux faire une naine, hein, si tu veux. Non, c'est que là, je vais faire une mage. Donc là, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, t'as fait ta guerrière et t'es parti J'ai fait sur ma une mage. guerrière, j'ai fait Pharo. J'ai dû recommencer Pharo Ah, 4 fois. alors, J'ai dû recommencer la Pharo créa est 4 pas fois très. parce que j'arrivais pas à mettre du blanc. Allez. Ah là, bah attends. Excuse-moi, mon chat me casse les couilles, puissance 10. Ça va, j'ai pas été trop Ça m'a long à triggered la. que je pouvais pas mettre du blanc, donc j'ai Je t'ai recommencé dit. Pharo 4 fois. Non, c'était un peu long la discussion parce que c'est les discussions d'avenir. Le mariage, tout ça, je connais. Non, c'est plutôt essayer de trouver une certaine stabilité, un endroit sympa. Ce genre de truc, quoi. Vous Tu vois, aurez une genre. stabilité et une sécurité dans mon nouvel empire. Ah non, c'est pas le bon dogme. Excusez-moi. Ça manque un peu de couleur fantaisiste, selon moi. Bah après, c'est la couleur principale que tu peux après mettre en dégradé. Et tu peux même changer les Mais pointes. mis à part ça, à part que le créateur personnage, il a des soucis Alors, sur pour quelques trucs. information, la gradation te permet de faire les pointes différentes. Par exemple, mets une couleur rouge et une couleur bleue, par exemple, sur la principale. Là, tu mets la couleur des points. Tu mets une couleur plutôt Je claire. vois. Mais blanc ou une couleur assez claire, parce que Ouais, foncé sur foncé, tu verras pas la parce que différence. imaginons que je veux faire noir. Imaginons que je fais noir et puis que je veux mettre en rouge. Le problème, c'est que le rouge est pas assez pétant. Non, mais pour te montrer l'effet de la gradation, tu mets blanc et noir par exemple, Ouais, mais j'ai pas un vu, double noir. t'inquiète. J'ai vu, c'est ce qui compte. Et puis la Donc gradation. là, on met au max. Non, l'éclat, ça va simplement le. Alors, l'éclat, là, c'est simplement sur les pointes. Si tu mets la position de l'éclat tout en à 0, c'est tout devant. La peau. La blancheur, mes amis, la blancheur. La crème solaire indice 70. C'est vrai que j'ai beaucoup de peine dans ce jeu à faire des Ouais. personnages blancs. Ah voilà. Raciste. C'est plus facile à faire des femmes blanches avec les femmes. Tu sais pourquoi? Non. Parce que au Japon, la blancheur est synonyme de pureté, donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que t'as, dans les mangas, des trucs relativement stupides. Par exemple, dans One Piece, tu as l'équipage de Luffy qui vont dans les îles célestes et qui rencontrent l'équivalent des Amérindiens, mais t'as la fille du chef qui est hyper blanche et qui est plus blanche que Luffy, alors qu'ils ont tous une peau amérindienne.
Et ça, c'est à cause justement du principe de blancheur, que quand tu veux montrer un personnage qui est beau à l'écran, tu le fais hyper blanc au Japon. Voilà. Mm. Je trouve ça incroyable. J'admire le Japon pour beaucoup de choses. Alors, j'ai pas réussi à faire des cicatrices sur le visage, malheureusement. Alors, pour ce qui est des yeux. Non. Voilà. Bon. Je pense que je vais en rester là pour tout ce qui est pour tout ce qui est création. On va tester de ton côté, voir ce que ça donne. De quoi tu veux créer le fameux double là? On va garder cette coupe là, ça ira très bien. Hop, classe, mage. En fait, il y a un truc qui me fait rire, c'est que t'as le système des corps. T'as le système des corps. D'ailleurs, ça me fera toujours rire hein, que depuis que CD Projekt en 2020, ils ont dit on va soutenir le wokisme, on va absolument plus mettre de nom, parce qu'il faut pas que les gens puissent savoir que on genre les gens, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait t'as plus sexe féminin, sexe masculin dans les jeux. C'est parce que c'est Cyberpunk qui a lancé la mode avec ça pour le progressisme. Enfin pour moi c'est plus Baldur's Gate sur le point de vue des romances, mais bon c'est... Alors ça on pourra en parler, mais c'est pas Baldur qui a intégré le fait que les romances sont foutues de son sexe. C'est pas Baldur, Dragon Age le faisait avec le 2 d'ailleurs. Ça avait d'ailleurs été très critiqué. C'est pour ça qu'on voit la différence de mentalité entre les communautés ou Dragon Age. Ouais, mais ils l'ont pas refait sur Inquisition. Ils l'ont pas refait sur Inquisition parce qu'ils se sont fait chier dessus par la communauté sur Dragon Age 2. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui me fait un peu rire, c'est à quel point la communauté avait chié sur les devs en disant « Vous détruisez l'originalité des personnages, vous détruisez la rejouabilité... » ça va à l'encontre de l'écriture des personnages. Et d'ailleurs c'est pareil sur Baldur's Gate au passage, c'est absolument pareil sur Baldur's Gate, parce que globalement Ombrecoeur, on sait qu'elle a eu des relations féminines et masculines, donc ok. Laezel, techniquement je dirais, vu comment est Laezel, ce serait plus un homme, mais globalement une femme ne poserait pas de problème. Astarion, il est dans les deux genres, mais t'as des personnages comme Will ou Gale, mais toute l'écriture de Will ou Gale, c'est sur un truc avec une femme, en fait. Ça dépend aussi de l'écriture du personnage. Voilà. Après, Carlac, je dirais que Carlac, elle est plus lesbienne, pour le coup, parce que... Non, elle est pas lesbienne, elle est ouvertement bi, elle est ouvertement bi-pansexuelle, parce que quand tu la joues dans l'origine... Non seulement t'as des sous-entendus qu'elle veut se faire Damon dans un coin, mais elle fantasme aussi sur les Halflings.
Voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Non, mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est surtout que Cyberpunk, il est là. Oui, non, mais on veut pas genrer, machin, truc bidule. Alors qu'en fait, si tu mets un corps féminin, t'as Judy et l'autre. Et si tu mets un corps masculin, t'as Panam et Kerry. En fait, Dragon's... J'en parle vite fait. Au pire, t'as les prostituées. Hein, Dragon's Dogma souffre du même problème. C'est que, oui, on met pas le genre parce qu'on veut que vous choisissiez... Parce que c'est juste un corps. Oui, sauf que ben, si tu prends un corps masculin, si tu prends un corps féminin, t'as pas de barbe. Donc, dans tous les cas, t'as quand même un sous-entendu que tu choisis ton sexe. Voilà, quoi. Voilà. Techniquement, oui. Et en plus, c'est ça que je trouve con, c'est qu'en fait, pourquoi on a eu ce débat, c'est parce qu'en fait, les voix sont toutes mélangées. Ah, c'est ça. Champion vigoureux et soldat, c'est... Ouais. On va prendre ça. Voilà, finaliser la création. Et... Élise... Bon, ça veut dire que je dois lancer mon caractère création pour que je fasse le, pour que je transpose le mien, j'imagine. Un code, j'imagine. Oroni. Il y a un code. J'en sais rien. Voilà, bah au moins comme ça, il faut voir le bon côté des choses. Créer un nouveau personnage. On va tester ce système de pions. Votre pion principal est le fidèle compagnon qui va s'accompagner tout au long de votre aventure. Ouais, je peux faire des pions de réserve. Vous allez maintenant invoquer votre pion principal, votre fidèle compagnon qui vous accompagne tout au long de votre aventure. À quoi voudrez-vous qu'il ressemble? Essayez d'imaginer son apparence. Vous pourrez choisir d'utiliser un pion prédéfini ou en créer à partir de rien. Si je fais prédéfini, ça me marque quoi? Ah, c'est ça. D'accord. Et on va partir sur création. Bon, alors, du coup, c'est le mien, c'est ça? Bon, on va commencer par le tien. Alors attends, qu'est-ce que t'as fait comme perso? J'ai pris le corps max. T'as pris le corps tout en haut, d'accord. Tout à droite. Alors, corps... alors que attends. Le tien, c'est celui-là. La tête prédéfinie numéro 5. Numéro 5 de quel ordre? Alors, ouais, celle-là. Ensuite, alors attends. Prédéfinie. On peut même faire des elfes d'ailleurs. Alors là, t'es dans la tête. Ah, tête prédéfinie, là, la 5. Toujours encore 5. La 5. Ouais, c'est elle. Et là, normalement. Alors, attends. J'essaie simplement de regarder. J'ai légèrement modifié. Que je regarde parce que l'autre vidéo dure 45 minutes, celle-là dure 24 minutes, donc en tout on est sur quelque chose. Alors, peut-être prédéfinie. Alors, attends, où est-ce que tu en es? Parce que je vois rien du tout avec ton truc. Ouais. Alors, là tu vas dans personnalisation avancée, t'emmerdes pas. Ouais. Voilà, on va y aller comme ça. Alors, taille en 215. Alors moi j'ai mis 214, mais ouais, je vais l'augmenter d'un poil. Longueur du torse 60, musculature style, style 1. Ah, c'est vrai que je pourrais les changer en style 1. Attends. Style 8, pardon. Volume musculaire max. Volume des trapèzes moins 20. Musculature haut du corps 76 à peu près. Euh, 66 en bas, moins 97 dans le volume du haut du corps. Ah bah c'est... Ah, la pauvre, elle va flancher. Moins 100. Ses pauvres genoux. Volume du bas du corps moins 100. Enfin, tu mets tout à moins 100 en fait, les deux volumes, pauvre, tu les mets à moins. Volume du haut du corps à moins 100. Non, l'option juste. Non, pas musculature. La musculature, elle est à 76. Respecte-moi. Ou 75. T'en as pas trop. Voilà. Volume haut du corps, machin. Ok, on est bon. La tête. Taille de la tête, moins 9.
Longueur de la tête 28. Largeur de la tête moins 5. Profondeur de la tête 2. Non, 2, pas moins 2. Hauteur du visage 50. Longueur du cou 0. Non, 0, pas moins 5. Par contre, on peut jamais le prendre au sérieux. Épaisseur du cou moins 15. Ok, hauteur du corps. Largeur des épaules, 40. Tour des épaules, 35. Épaisseur des poitrines, de la poitrine, 25. Tour de poitrine, 45. T'avais dit que ça allait rendre jaloux Yoshibi. Forme de poitrine. Ah, on peut changer. Ah oui. Alors, attends. 1,5. Hauteur de poitrine 100. C'est un peu casse-gueule leur truc. Largeur du torse, moins 55. Oh putain, c'est la merde. hauteur de poitrine, t'es à 100. Ok. Où est-ce qu'on en est? Profondeur du torse. Profondeur du torse, moins 100. Longueur des bras, 0. Tour de bras 100. Épaisseur avant-bras, tu mets tout à 100. Les troncs en bas. Ok, good. Bas du corps. C'est ce que je dis, son genou va flancher. Largeur de la taille, on est à 15. Moins 20 en tour de taille. Ok. Taille du postérieur. Ah bah, je n'avais pas remarqué que je pouvais avoir du cul. Alors attends, je regarde. 25. Volume des jambes globales, 85. 85. Ok, posture. Style de mouvement. Moins 100. Angle des coudes, moins 55. Angle des genoux, 0. Posture, 10. Voilà. Ensuite, on passe à la tête. Tête prédéfinie, la 5. La peau. La peau numéro 3. Couleur de peau 10. Ride 0, éclat de la peau 0. En fait, l'éclat de la peau, c'est savoir si tu as un corps trempé ou pas, hein, Un corps qui grossièrement. brille. Ouais. Ouais, le corps qui brille, ouais. C'est un truc de japonais, on sait Alors, ce que c'est. hauteur des sourcils, moins 79. Ah oui, il a touché ça, effectivement. Mais j'ai dû faire en fait une autre présélection de visage et du coup, j'ai pas grand-chose. Écartement des sourcils, moins 10.
Ouais, je sais, c'est bientôt fini. T'inquiète. Profondeur des sourcils globale 30. Alors là, ça fait. Alors, en profondeur des sourcils internes, INT 5. 35 pour le suivant. Angle des sourcils, moins 49. Alors, ouais, c'est ça, moins 49. Courbure des sourcils, moins 47. Les yeux. Ah ouais. Putain, c'est génial. Hauteur des yeux, moins 14. Moins 14. Écartement des yeux, moins 10. Profondeur des yeux, moins 20. Ce jeu, c'est un peu comme Nioh et Wolong, tu vas passer plus ton temps sur la créa, quoi. Ouais. Taille des yeux, on est à 0. Angle des yeux, moins 20. C'est bien parce que tu peux forcer le personnage à avoir un œil fermé pour X ou Y raison. C'est drôle ça. Non, rien. Tu laisses ouvert, rien du tout. Le nez. Ensuite, le nez. Longueur du nez, 15. Largeur de l'arête, 36. Hauteur de l'arête, moins 60. Proéminence de l'arête globale, 0. Proéminence de l'arête à 30. L'arête bas à moins 30. Taille des narines à moins 10. Hauteur des narines 20. Largeur des narines moins 36. Profondeur de l'extrémité moins 10. Moins 20 à l'angle de l'extrémité. Tu vas y arriver, Osadius. Oh, t'inquiète. Saillie du nez, 30. J'utilise mon clavier histoire de pas faire de conneries. Les oreilles. Est-ce que t'as touché Alors. les oreilles? Lobe moins 100. Tout en bas, lobe moins 100. Oula. Ah non, mais dis pas que le jeu il crash. Je. Ah! Un rapport de plantage est en cours de création. Ah non! On a réussi à faire crash le jeu sur la grotte Ah, excellent! Excellent! Bon, tout ça pour dire, j'en profite. J'en profite pour dire que c'est. Oula, là, il a bien crash. Pour vous dire que la création de perso a l'air super. Par contre, ça peut être très long si vous voulez copier celle de votre pote. Donc j'espère que. Il y aura des codes mis en place comme Nio, on espère. J'espère qu'on aura des presets comme Nio quand ça va sortir, on espère. Après, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein, parce que. Ben, je pense qu'en mise à jour, ce serait bien. Je pense la vidéo, elle a duré à peu près 1 h 30 en plus de la coupure. Donc je pense qu'en vrai, vous avez déjà une très belle vision de la créa de perso en général. Très bonne créa de perso, l'une des meilleures créas de perso que j'ai vues. Par contre, c'est vrai que les visages, il n'y en a pas beaucoup qui sont très séduisants. Donc de nouveau, est-ce que j'ai un peu peur qu'on arrive dans le syndrome Baldur. Ça veut dire beaucoup de créa,
Beaucoup de créa pour pas grand chose. Enfin, beaucoup de presets pour pas grand chose. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.